Et ben, moi aussi. Et qui qu'a dit moi Jean-Claude. Bah, tout le monde. On va tous à vous là. Chiche. Ah, Philippe, je te vois. Et Gérard, je me cale derrière les deux qui est en train de partir. Ok, je vois, bah, je te suis. Je vais derrière pour que tu en droit. Épais derrière là, on arrête. Ça en fait du monde. C'est pas un avion que t'as, c'est un véritable monstre là. JCL ouais, qui accède à la piste. Je m'aligne sur la 30 et je décolle pour vous là. C'est Jean-Claude hein, qui vient de parler là. Voilà. Ouais. Okay, non, je connais pas encore toi. Toutes les voies, donc c'est pas encore évident. C'est plus facile avec toi, Nadine, pour te repérer. Canadine, ah bah c'est sur l'embête. Et ça fait plaisir. Ça passe de féminine. Non, non, ça passe très bien. Alors moi, on peut pas se tromper, c'est déjà ça. C'est excellent de vous voir tous à l'alignement comme ça. Philippe 02 pour le décollage, piste fin. JCL 58, je décolle. Philippe 02 autorise à décoller. Merci, bien reçu. Vendu 310-39. Bon voyage. Une fois, je fais la queue pour décoller. Au passage, salut Pascal. Salut. Bon, Eric Kratt, c'était pour mon premier vol en réseau. Ouais. Donc ça c'est bon, je me suis régalé. Je vais quand même repartir pour Moulins pour voir la suite. Et voilà, donc c'est vrai que la phraseologie, tout ça, je ne connais pas de trop, parce que par la suite, je pense qu'on va pouvoir s'améliorer. Oui, oui, il faut y aller très vite. Pas le seul, hein. Bon, au niveau des collèges, autorisé, parti, piste 30. Au revoir. C'est là que nos routes se séparent. Allez, Philippe, on s'aligne. Enfin, et on est pas là. Take off. Bon, bah, je vais suivre tout le monde pour repartir pour Moulin. Monsieur, mon gars, il est un peu au bord. Oh, il décolle vite le tien, Philippot, là. Ah ouais, c'est un store, là, le beaver. Hein. Ah, d'accord. Ah, le beaver, ça, c'est l'avantage. C'est décolle vite, et qui c'est qui dit tout le monde, là? Tu sais, cet avion, il est dans l'air. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il marche arrière, il décolle. Ouais, c'est ouais, voilà, il y a eu un excès au bord. Flo, Flo, oh là là. Attention, attention en collision, Flo. Empêchez-le de décoller. J'ai pas de visuel. Planquez-vous, l'armée est face à nous. Qui c'est qui arrive en décollage? A priori, vous avez une salle. Phil 92, tu as fait des minutes. Joël 91, autorisé décollage. Au revoir. Phil 91, je vais faire une verticale. Regardez tout. Ok, bien reçu. Ça c'est très bien. C'est fonctionné. C'est toi qui décolle, Andy. Ah oui, ouais, bien. Décolle. Ah bien, 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 bien. Voilà. Je vais pas installer la scène là encore, mais c'est pas grave. Voilà, c'est parti. Allez, Jean-Luc au décollage. Et paf, il y a le six tracker à plein pied. Donc tous ceux qui sont devant vont aussi à Moulins. Oui, je même pense. Ceux qui sont derrière. Voilà, même ceux qui sont derrière. Oui, mais c'était ceux de derrière, je les vois pas. Pas les autres. T'as pas de rétro. Non. Nadine, apparemment, tu pars vers le nord, vers Cône, non? Ah, je sais pas. Les autres, ils vont où? Ben, parce que tout le monde va en train de monter vers le nord. Tu prends la 130. Fais demi-tour. Bah moi je vois le quoi, au décollage. Vous, je vais vous laisser dans vos tests et puis je vais communiquer pour savoir avec quel groupe vous êtes ainsi de suite. Y a pas de avec soucis, quel c'est... quoi? Dans quel groupe vous êtes? France VFR, ok, mais ça me prend une entrée dans le FS Tracker pour pouvoir entrer dans le système, je ne l'ai pas. Ça a changé, Ben. Ça change, que quelqu'un prenne le temps de t'expliquer. Mais okay. C'est pour ça que je dis, je vais communiquer avec vous. C'est flou, souvent sur les ondes. C'est facile à rejoindre sur les autres. Mais c'est surtout que c'est moi.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit ça. Je vais communiquer pour pouvoir, dans un temps plus tranquille, plus calme. Le JCL 58, tu vas à Moulins? Oui, exact. C'est bon, parce que comme c'est toi que je suis en train de suivre, ça va. Alors, c'est bon, tu suis. Tu mets ta sur quoi, tu vas à Moulins? Ouais, je suis derrière toi, Philippe. Ouais. Tu es à 2 nautiques à peu près, 2-3 hein, nautiques. C'est ça, ouais. Bon, je vais ça marche ton Litton. Bonne fin de soirée, Flo. Tu as le contact. Demain, Ben. Ok, salut Andy. À demain. Salut Ben. Ouais, Ben, si tu veux nous rejoindre mercredi prochain, Flo ou Andy ne te donnera toutes les infos. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, excellent. Ça sera avec grand plaisir. Merci. À la prochaine. Ciao. Salut, à bientôt. Ciao. Au revoir. Goodbye. Bon après-midi. Oui, c'est vrai, lui, là-bas, c'est l'après-midi. Donc, moi, 2500 pieds, 25 nautiques direct de Moulins. Quelle vitesse de Pélico? Je suis à 150 nœuds. Ah, non, c'est pas pouvoir t'attraper, alors. Je vais revenir. Ouais, moi, je suis à 25 nœuds. Je voulais prendre un peu d'avance pour éviter d'avoir un crash sur le tracker. Je crois qu'on se retrouve à 50 nœuds d'un coup. Parce que ça donne, quand on est sur un terrain, il faut toujours travailler sur mesure. Sinon c'est pas grave, il y a un groupe, là j'entre le groupe de Philippe, Christian, Limagne. Ça doit être okay. Nadine qui est là. Parce que tu vois un gros beaver, c'est moi. Et devant moi il y a Gabi. Salut Gabi. Gérard, il marche ton décolle de la femme? Ouais, pour le moment, ouais, je te vois là, je te vois. Bon, je vais faire un peu plus fort pour voir les actes. Gabi, sur ta droite. Les numéros de piste. Ok. Attention. Et sur ma gauche, je vais sortir le mode de 3, 2, 1. Devant toi. Je te vois. Bon, tu veux atterrir sur la 29, par la 29? Oui. Ok. C'est toujours la météo réelle. Ouais, le vent nous pousse un peu. Donc j'ai... Pour info à flot, depuis tout à l'heure le crash, il n'y a plus de scintillement, tout va bien, c'est nickel. Oui. Alors c'est quand même curieux, c'est des connexions, parce que ça répond pas trop à une certaine logique en définitive. Si. Ah ouais? Alors pourquoi là ça plante pas? Le nombre qu'on est, comment tu peux l'expliquer? Parce que tu les regardes pas tous et ils sont un peu plus éparpillés. D'accord. Donc c'est le fait qu'ils soient tous concentrés sur le tarmac par exemple, c'est ça qui pose souci? Non, en fait voilà. C'est FSX qui est très mal titré en fait dans le programme. Et au niveau de la couche de com, avec, sans rentrer dans les détails, avec SimConnect, si ton simulateur commence à laguer, il a du mal à suivre au niveau de la communication. D'accord. Donc si j'explique en fait que tous les plugins, il va au... Tous ceux qui utilisent la même méthode que FS Tracker en fait sont sujets à ces problèmes là. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étudier un limiteur d'AI en fait pour on va dire faire une sélection naturelle en fonction de la proximité des AI. D'accord. Ah oui. Ça allégera, je pense, le GSX. Excellent. Mais c'est un problème qu'on n'a pas sur P3D. C'est exceptionnel hein, qu'on se retrouve comme ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Là. Sincèrement, pour avoir fait déjà des vols où on était peu nombreux, moins 6 ou 7, on a peu de soucis. Hein. Donc bon, là on cherche aussi un peu le bâton. Hein. Mais bon, en attendant, c'est sympa de pouvoir faire des flanines. D'autant que là, on est nombreux ce soir, mais normalement mercredi prochain, on sera encore un peu plus nombreux. Philippe, tu t'alignes hein, normalement. Bah, je ne la vois pas. Pourtant, j'ai la scène d'activer et tout. Ah, si, ça y est. On arrive là. Ok. Ah, Filippo, j'ai le terrain en vue, je me reporte en base. Faut que tu redresses ça. Phil. Ouais, mais attends, c'est pas la piste. Oh, je me suis fait berner par quelque chose. Bah, je vais remettre les gaz. Je crois que c'est cuit pour mon approche, là. Et on fait un survol de la piste, une voiture fait. Je vais essayer de récupérer la situation, mais c'est pas évident.
Après, pour ceux qui ont IVAO, surtout les MTL, vous pouvez rajouter aussi un dossier qui sera scanné au, démarrage suivant par FS Tracker. Comme ça, vous pouvez proposer en fonction de l'emplacement de vos avions de prévoir un des avions dans la MTL. Tout à fait, ouais. Ça, c'est bien pratique d'ailleurs. Ça permet d'alléger considérablement le volume. Tu peux passer, je ne vois pas, parce que c'est un gros problème, je ne suis plus loin. Bah écoute, redresse cap ouest et puis tu vas la trouver. Mais pourtant j'ai la carte filmée, je suis sur la carte, mais je ne me trouve pas. On est pratiquement côte à côte quand même. T'es quasiment aligné là. Tu la vois pas devant toi. Voilà, t'as piqué au nord, là c'est pas mal. Pascal, c'est toi qui me rase des moustaches à cette fois là. Affirme, affirme. Alors, fini pour un dernier virage de piste 08 à Moulin, on est terrible. Alors, il est où ce truc? Phil, tu la vois, Phil? Ah non, tu la vois, Phil? Oh, bah écoute, je vois un truc, il est sarfi, je sais pas si c'est ça. T'as la route, t'as les véhicules qui passent juste devant. Alors. Phil, tu donnes la direction de la course, s'il te plaît. À qui tu. C'est nous pour moi? C'est tellement Philippe ce soir, c'est compliqué. Hein. Philippe. Alors, de Philippe, c'est la 08 en service en météo réel. Donc là, je suis en train de poser mes roues. 08 en service, ouais. Ok. Merci. Donc, QFU à 80. Donc, Philippe 02, je refais un tour pour me réaligner. J'ai vu la piste en bas. On arrive à sur une étape de base, hein, si on me dirait ça sur nous. Touché, c'est moi, je dégage la piste. Salut. Philippot, la piste dégagée. On est en haut au parking. Piste dégagée. Ah, je vois la piste. Bon, je vais retenter ma chance. L'approche en moulin est assez facile, hein. Vous ne faites pas la verticale, vous tirez le cap sur votre droite de façon à pouvoir faire une base. Et après, vous allez sur la finale, tranquille. Le terrain est à 900 pieds. Pascal qui arrive. JCL 58, je suis encore final. Je sais pas si quelqu'un. C'est en final. Pascal qui suit JCL pour poser juste derrière. Oh plus de FFX et plus de FFS Tracker. En course finale. Au moment où j'allais entamer. Pas mince. Il est où mon FFX 3, je passe en base de la 08 à Moulin. Ne désespère pas, Gérard, j'arrive. Ouais, je te surveille, t'inquiète pas. Ah, je vois Jean-Claude en très courte finale à Moulin et derrière Pascal. Ouais, c'est en finale. J'ai encore l'icône de FSX en bas, mais j'ai plus de. Oui, alors quand FS Tracker, moi, il s'est planté tout à l'heure, carrément, j'avais plus d'icône. L'application avait cessé de fonctionner et c'était auto-fermé. Donc il a fallu relancer directement. Je sais pas si. Bah, j'ai les deux icônes de FSX et de FS Tracker en bas, mais elles sont inopérantes. Reste sur la droite, hein, UCL. Donc je fais quoi? Alt-tab, Alt et la touche tabulation. Ça devrait te permettre de faire défiler les différents applications alors, actives. Pour info, Je peux plus rien Philippe, faire. Philippe, je te vois en 1, 2, tout 3, est bloqué. 4, 5. Je te vois en 5 beavers, Philippe. Ouais, bon. Alors figure-toi que cette arrivée au Danemark, l'autre fois aussi, Bernard, il m'a vu en plusieurs exemplaires. Pascal posait puis se dégager. Ah, c'est marrant ça. Pour Gérard, Jean-Luc en finale. Oh là là, c'est revenu, mais moi, FSX. Tu t'es aligné là, je pense que tu dois poser. Mon avion est planté. Je vois pas, et c'est sympa les bâtiments là. C'est sympa les camions qui passent sur l'autoroute. Hein. Ouais, t'as vu, hein. Là, tout de suite, là, au toucher, tu vires à droite. Hein. Ok. T'as la piste pour dégager. Je te vois là.
Ah, ça y est, mon FS tracker a dû planter, je vois plus personne. J'étais au parking en moulin. Petite question, Gabi, tu es où? Enfin, t'es situé où sur le globe? Comment? J'ai compris. Gabi, tu es originaire. C'est bien, t'as touché. Dodona. Salut, mon Luc. Je suis désolé, j'ai une géographie qui est très approximative. Tu peux m'en dire plus? C'est 92 en début de vente arrière 26. De l'Ardèche. D'accord, elle est. T'as un IP qui est très bizarre, tu serais pas sur un VPN ou quoi que ce soit? Ah non. Non, du tout. Pourquoi Parce que Nadine, c'est pareil, j'ai quelque chose de bizarre. Grenou aussi, moi je suis sur un VPN, hein. Je peux me déconnecter si tu veux. Non, c'est pas ça, je vous demande pas vous déconnecter. C'est juste vos IP qui sont inhabituels. Ah oui, non, mais moi je suis en finale de la 08 pour l'image 63. À 1 nautique. Numéro. Et moi je vois toujours plein de Philippot. C'est incroyable ça. Non, je suis partout, moi, tu sais, Jean-Claude. Il est d'omniscient. J'en compte 6. Ah, bon, j'étais pas en forme ce soir, c'est pour ça. Un moulin de IMED 42, 172 à 4 minutes des installations pour un complet en 08. On est complètement planté là. Il y a un hélico qui vient de se poser. Dan en finale pour un complet. C'est un EC-35. Bah, c'est comme ce matin. Dan autorisé, piste. C'est la piste. La 08. Un moulin. 08. Numéro 2. Je vais me déconnecter pour voir si les beavers de Philippot disparaissent. Non, ils disparaîtront pas. Il l'avait fait. Ah bon? Tu vas voir, ça va disparaître tout seul au bout de quelques minutes. Non. D'accord. Je le dis parce que Bernard avait essayé. Ok, oui. C'est marrant, ça vient d'où ça? C'est 92 en virage, base. Philippe, on file sur Bourges? Bah écoute, pourquoi pas? Soyons fous. Ah ouais, tant qu'à faire. On fait la totale ce soir. Je vérifie si j'ai les réservoirs qui ont ce qu'il faut. Alors Christian, il arrive en pirate en finale, mais à mon avis, à l'inverse de l'avant arrière de tout à l'heure. Mais je suis dans le bon sens pour atterrir. Impressionnant. Bon, moi, je suis revenu. Et je suis en train de longer la piste pour la prendre dans le bon sens. Gérard, c'est quand tu veux, c'est bon. Ouais, bah moi, c'est pareil, j'ai de quoi aller à New York avec. Hein. attends, je remets mon... Ouais. Sur la finale. Alors, 08. Christian en finale pour la 08. Autorisé numéro 1, fil 92 numéro 2. Delta Alpha d'avant, piste dégagée. Jean-Claude, à tout hasard, t'es un peu à 28 toi? Oui, je suis un peu à 28. Ok, c'est bon. Tu vois parfaitement. Mais c'est pas la 2 heures, hein, c'est un autre plus simple. Ouais. Non, mais tu vois, ça. Bon, là, je vais chercher la 29, Philippe. Nadine qui est en. Je te suis. En vente arrière numéro 3. Ok, je vois Christian en courte finale. Et en finale derrière lui, fil 92. Et Nadine qui termine sa vente arrière. Je vois Lehmann 63 avec un magnifique Cessna. Là. Ouais, c'est chouette. Hein. Ben, c'est la librairie que j'ai récupérée. Elle est sympa cette librairie. Elle est jolie. 182, ouais, c'est chouette. Hein. Ah c'est oui, joli, ouais. C'est ça. Et je suis à la pompe hein, parce que j'ai besoin de carburant. Ah ben ouais, ben t'as raison. Hein. Si tu peux en mettre dans le mien, s'il te plaît. J'étais low fuel sur le droit. Fil 92 ce soir. Qu'est-ce que tu as? Fil 92. C'est la Dozac Je suis en finale. Oui, c'est la Dozac, ouais. D'accord, ok. Christian posé, piste dégagée, en plein milieu des pâquerettes. Bah écoute. Ramassez-nous un bouquet. Fais-moi un bouquet. Oui, j'arrive, je te porte le bouquet au parking. Impeccable, fil 92 aussi, là, qui vient de se poser à son tour. Et on a Nadine qui arrive. Ouais, j'arrive. Qui est en finale. À 300, 03 nautiques.
Eric en finale pour la 08. Eric pour Dan sur le parking, le tracker a planté. Ah, c'est sympa là ces atterrissages. 92, ça. Piste dégagée. Qui c'est qui je me suis fait jeter aussi. Oui. Qui c'est qui parlait d'atterrir là? Fait jeter MID 92. Ah. Parce que là je vois plus personne dans l'horizon. Ah oui. Oh. Là, là sur le tarmac je compte 14 avions. Ah mais je suis en l'air moi. Dégagé, je suis dans les champs. Avec les autres. Alors effectivement avec plongée c'est un truc assez terrible. Hein. Ouf. Ah c'est beau. Terrible. 12 avions hein, sur le tarmac à Moulin. C'est passé pas mal. Par l'autre côté, derrière les bâtiments, ça a tiré sur un seuil de piste. Ok. C'est Mythe qui parlait ? Non, c'était Gérard qui parlait. Et là, c'est fini, 0-2. Je rectifie, 11 avions et 1 hélicoptère. Ici le bilan, je vous salue tous. Salut, bonsoir. Ça va, Yvan ? Ça va, oui. Ben, c'est comme ce matin, tu apparais avec le 635 que j'ai vu. Ben, je vois pas où c'est que tu es, Yvan. Tu te cherches par rapport à ton coup, parce que je vois que les avions, tu peux remplacer un hélicoptère de tour. Il y a un truc ben, bizarre devant, avec la tour, là. Il est devant, hein. Devant oui. Le BR-400 statique, là. Il y a un verre ouvert avec le personnage de tout à fait, c'est tout comme ça. Ah oui, d'accord. Quand tu veux, Gérard. Il est rouge, blanc. Rouge, blanc, bleu. Il y a combien de beavers au total? Deux. Dan sont partis. Ah non. Mal. Donc ça c'est poussière avec le môle. On va mettre des 40 heures.